C'est une vidéo plus d'un mois in the making. C'est incroyable. Enlevez-nous notre chaîne, quelqu'un. Voyez, mec, on sait pas ce qu'on fait. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on vous présente une vidéo excessivement longue, premièrement, qui a pris beaucoup de temps à tourner. Ouais. Et on espère que vous allez hang in there. On a réalisé un full face de produits à 1$ de chez Shop Miss A. On vous a déjà parlé de cette boutique en ligne là au début de la chaîne, là. Ça fait vraiment longtemps. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commandé des cosmétiques là-dessus. Puis on se le faisait souvent demander. Donc là, on le fait, on a commandé, on vous a filmé notre commande, on vous a filmé toute notre préparation, mais on vous a pas filmé d'intro. Alors... Des choses qui arrivent, hein? On est encore des noobs. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que notre shopping et notre get ready with us à une pièce suivra à l'instant. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, que vous aimeriez voir plus souvent sur notre chaîne, faites-nous en part dans les commentaires ou en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Nous sommes rendus là, si vous n'activez pas la cloche, c'est possible que vous ne nous voyez plus. Ce serait terrible. What's up, YouTube? Oh, un peu de shopping. Moi, j'ai ma liste ici, là. Je suis prête à tout noter. C'est quoi ça, du papier? Est-ce qu'on commence comme dans l'ordre où est-ce qu'on se maquille, c'est-à-dire la base, mettons? Bonne idée. OK, ben moi pis mes gros pores mous, on va y aller dans le poreless. Je me sens que j'ai vu Illuminating rapidement. Illuminating? Oh! Ouais. Un beau petit teint de cochon lumineux. Ah, regarde! Hein, c'est comme NYX! Soldat! Tout ce qui a de l'air un petit peu plus de bonne qualité. Attends, moi, j'aimerais beaucoup avoir le stick. En bâton. Magic stick. Moi, je vais dans la bébé. Ah oui? Bébé crème. Fair, ça devrait... Hein, ouais. Parce qu'il se fait pas blanc. Tu sais quand porcelaine est trop foncé pour toi, mais il est soldat. Translucide. Toujours le plus... fantôme possible. Il y en a anti-pépère. Deux est très populaire. Sold out. Oh, ça va coûter cher. Il y a juste le deux. Non, mais ça va être ça. Frost en plus. Passe-toi. Ça va être très flatteur pour mes vieilles paupières. Ben là, je te mets au défi d'utiliser ça, ma belle. Pourquoi tu m'appelles de même? J'ai vraiment le goût de te frapper. Je vais prendre le brun. Qui es-tu? Et qu'est-ce que t'as fait de ma soeur? 182 choix? Pardon! Hey, ça en prend en crime des produits face complète. C'est débile, hein? Hey, moi je veux le duo. Ok, je veux le duo. Amuse duo. What is happening here? Moi je vais prendre lui. Trop big. C'est comme gros big, mais... C'est clairement des brillants, là. Tu veux des brillants dans les sourcils? Non. On va y passer la nuit, là. 400! Quoi? Sold out! Oh, voyons! Le seul qui... Ah! Oh. Is that it? I think so! On a la base, fond de teint, cache-cerne, poudre, blush, contour, highlight, éponge, on a paupières, primer des yeux, eyeliner, mascara, sourcils, lèvres, faux cils. Pour un grand total de... 34 et 10. Oh. On pousse-tu l'audace jusqu'à se choisir un petit accessoire, genre des boucles d'oreilles ou... Sure. C'est pas tout bobo, hein? Non, mais c'est ça qui arrive, là. Ouais, les verres. Ça va être cute. Une belle croix, hein? Petit cuir, il serait clair de toi. Petit cuir que moi, même combat. Mais moi, je voudrais bien des pompons, là. Ouais. Bon, dis-moi pas qu'on l'a. Go! Parce que oui! Alors, nous notons la date, nous sommes le 4 février et ça nous coûte 45,99 canadiens à part la livraison. La livraison qui est à peu près 5$ habituellement, 5,95$. Donc, bon. 53,57$. Parfait. La grosse argent. Rebonjour! Rebonjour! Hey, on se revoit 20 jours plus tard! Et on a reçu notre commande plutôt rapidement. Il me semble que la première fois que j'avais commandé là-dessus, ça avait pris pas mal plus de temps. Là, tu vois, on a commandé le dimanche, puis c'est arrivé le lundi de la semaine suivante. Donc, 8 jours, mais en théorie, seulement 5 jours ouvrables. Il n'y a pas eu de frais de douane.
Est-ce qu'on a été seulement chanceuse ou on peut pas vous répondre? C'est un coup de dé. Ça, le commander, avoir des frais de douane, c'est un coup de dé, on sait jamais. Ouais, toujours une mauvaise surprise. Alors plongeons parce que ça risque d'être plutôt long. Ouais. C'est pas une boîte cute, là. On s'attendait pas non plus à ce que ça soit très cute, là, mais bon. Je vais la déposer, c'est plus sécuritaire. Alors, c'est bien. Shop missing. Je m'excuse pour le son. Oh! So much goodies! Des sacs dans des sacs dans des sacs. C'est parti! Ben moi je pense que tu devrais commencer par ton accessoire. Parce que là je le vois. Mes pompons! Oh pis c'est ajustable! Parfait pour mon gros cou. Oh! Avoue que t'es jalouse. Quand même. Tellement festive. Veux-tu tes accessoires toi aussi, ta question? Hello darkness my old friend. Mais il semble que quand je les ai commandés, il n'y avait pas le petit... On a ça en vidéo, hein? On peut te faire mentir! Mais semble. Ah! Assume tes choix! Mais il faudrait que je les désinfecte, puis c'est pas possible, j'ai pas d'alcool. Fait que... Je vais remettre mes anneaux. Hey, je vais pas me mettre quelque chose de pas désinfecté dans mon orifice d'oreille. Qui avait commandé la Wonder Blender en biseau? Et celle en butt plug, c'est bien moi. Veux-tu aller laver les éponges? Oui. Regarde ça comme elle est grossie. Ils sont vraiment big. Puis ils sont malléables. Oh! C'est comme un petit nuage. Alors, si on y va dans l'ordre, ce serait avec le primer. Ouais. Illuminating. Exactement. Et moi j'avais un poreless. Ouh! Ça sent-tu le silicone toi? Moi, ça sent un mélange d'alcool et de je sais pas trop. Il y a pas de brillant en tant que tel, mais c'est nacré. Ouais. Voyons voir. Oh, c'est pâle, hein? Ouais, c'est illuminating, tu dis. Tu te transformes en grosse pelle. On dirait que ça l'assèche ma peau. Genre, mes doigts, ils collent. Ouais, mais je pense que tu serais plus censé te taper même. T'es censé le taper où t'as plus de peur. Non. Next! Toi, t'avais un bâton. T'es-tu prête à avoir la couleur? Oh boy. Oh boy, boy. Make it work! Ça te prendrait une coupe de semaine dans les Bermudes. Et moi, j'avais une bébé crème. Qu'est-ce qui se passe, là? T'es-tu en train de tout briser? Mais je voulais pousser le produit. Ça marche pas là. As-tu lu les instructions? Y'en a pas. Je suis mal fourrée là. On dirait que c'est en plastique ton affaire. Je peux pas mettre ça en face là. Ah. Mais il est brisé, Vanessa, aide-moi! Faut pas que mon produit sèche. Fait que toi tu vas sécher. Jeu de mots, mot de jeu. Appelez-moi Pauline. Lingo, c'est maximum. C'est quoi ça? Peut-être que si tu réchauffes ton produit. Réchauffe ton produit. Peux-tu le réchauffer en cassant au vidange? Hey! Pas de mots méchants. T'as que toi à blâmer, hein? Il est comme pas la même couleur. Ça s'améliore! Voyez-vous? Il est comme pas la même couleur au bout. Non, ça sent... Ça là, ça sent exactement ce à quoi je m'attends qu'un maquillage à une pièce sente. Regarde comme t'as du plaisir, là! Ça fonctionne bien. Ouais. Ça pue. Mais ça, hein? It's a given. Mais c'est pas la phrase qu'on dit le plus souvent, c'est... Un jour, faudrait bien faire une compilation de tous les sapus prononcés sur cette chaîne. Hey, comment ça peut être aussi crémeux pis dégueu, mais couvrir aussi peu? Bon, je vous déconseille, pas besoin de vous le dire. Alors, cette bébé crème Perfect, pour l'instant, est approuvée de mon côté. Tu l'as proposé? Je peux-tu m'avoir un peu de ta bébé crème? Non, c'est de la triche. Ben, s'il vous plaît. Une deuxième couche, peut-être? En tout cas, l'éponge va bien. Ouais, moi aussi. Si l'éponge est capable de faire un pas pire fini avec ça. T'es sûr que tu y vas pas trop fort? Tu sais, je t'entends. Je veux que ça rentre dans ma peau. Non, c'est ça, là. C'est que ça change rien. Une couche, deux couches, trois couches, deux, 10 couches. Sur le gilet blanc! Tu veux-tu un peu de correcteur pour t'aider? Si je me rappelle bien, j'avais pris le jaune. Moi, j'ai un blanc. À quoi qu'on a pensé? Est-ce qu'on était saouls? Regarde, on y va.
Ça sent super bon! Ça peut-tu rempirer les cernes, le correcteur? Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez du bleu sous les yeux, mettre du blanc n'aidera pas. Veux-tu mon petit jaune? Ah ouais, non. Penses-tu qu'on va prendre une belle photo Instagram après? Ben oui. La qualité du produit en tant que tel est vraiment pas si mal. J'ai des cachets de pharmacie qui font le même effet, c'est juste la couleur qui fonctionne pas, mais... On dirait quasiment un illuminateur, mon blanc. Highlighter. Ça sèche, ça sèche! Fuck! Oh, j'ai tout gâché. Mets un peu de poudre, de la poudre jaune et de la poudre blanche. Ok, j'apprécie quand même le packaging. Ok, ça me semble pas si mal. Ça a l'air assez finement... Comment? Finement... Fin? Ah ouais, sette-moi ça direct dedans les pores. Moi, j'y vais pour le look figé en tout temps. C'est pas si mal. J'aille pas la couleur de la mienne. Toi, es-tu vraiment translucide? Oui, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu de... paillettes. Pas de paillettes, mais de perles. Fait que si à la fin de ça, j'ai pas une grosse face de lune, je sais pas j'ai quoi. Est-ce que tu vas la réutiliser, toi? Je pense que oui. On n'a jamais trop de petites poudres de lousse de même. J'aille pas la texture non plus. Ensuite, contour, toi t'avais la palette, hein? Oui. Moi j'avais le petit trio. Texture pas si mal. Tu donnes dans le luxe, là. Il y a même un livret. Mon Dieu. Comment faire? Regarde, là. Ça fait une spotographie. Faire le petit Ça vient même avec un pinceau. Qui est pas, ridicule. I'm not mad at it! Mais... T'es-tu en train de vivre un moment? Hey, en plus, j'ai un beau miroir! Hey. On y va! Ouh! Ça fonctionne? C'est un peu intense! Ouh! Et c'est ainsi que Christine retrouva sa bonne humeur. Ma bonne humeur est toujours là, c'est juste que des fois, elle est plus timide. Alors moi, c'est un coup mal pris, sinon je te le conseille pas tant. Bon, un petit fort avec ça? Toi, t'avais ça, me semble. T'es-tu sérieuse? Je suis très sérieuse. Moi, j'ai une belle petite rose. Produit qu'on pourrait voir chez Rossi. qui est déjà un peu détaché. Avec la petite éponge. Que je n'utiliserai pas. C'est bien push-push des toilettes de Place Longueuil. L'odeur. Il y avait un illuminateur qui illumine pas pantoute. Et un blush qui avait l'air mauve, mais qui est plutôt gris. Et moi, je te surprends-tu si je te dis que mon petit blush est un petit peu nacré, là? Je manque de nacré dans tous mes produits. Très déçue en ce moment d'être en train de salir mon beau pinceau avec ça. Très déçue. Et que j'ai bonne mine. Hé, hey, mais crème, c'est pas si mal. Non, mais je pensais que ça allait être pire que ça, tu sais. À date, là, les produits amusent. Pas les meilleurs, hein? Ensuite... Illuminateur, peut-être? Qui amuse, qui a pas amuse. Bam! T'es encore moins là! Qu'est-ce que j'avais à juste commander cette marque de merde? Moi, j'ai la bonne marque, hein? Et au... Et juste pour le nom de cette couleur, qui est Cream Puff. Non, Cream Puff, mais moi, je vais dire Cream Puff. Moi, le nom de la couleur, c'est Un Light. Oh! Non? Ben, c'est subtil, mais c'est beau. Tu trouves que c'est subtil? Oui. On jase trop. La carte était pleine. Wonder Baked Highlighter, couleur Cream Puff. I like it. Baby, I like it. C'est un peu trop métallique à mon goût, mais c'était seulement ça le problème aujourd'hui. Dans le sourcil. Et toi? Brunette Amuse. Yes! Bon, est-ce que... Oui! Sublime! Alors, c'est vraiment un deux en bout, toi aussi? Oui. Même forme. Oui. C'est la même affaire. Mais voyons, c'est vraiment la même affaire. Brosse. Les petits sourcils. En forme de goutte d'eau, là, je sais pas. C'est pas tout le monde qui aime ça. C'est le fun d'utiliser un crayon neuf. Hein. Vraiment pas la bonne couleur. Attends, là. Attends, je vais finir avec le mien, là. Oh, t'as pas voulu m'aider. Débrouille-toi ton crayon rouge. Ben moi, là, j'ai le bonheur de t'annoncer que j'adore ma couleur. Parfait.
J'avais pris le taupe, mais ça fait vraiment blond. Un message à Muse. Lorsque tu conçois des cosmétiques, peut-être pas engager juste des daltoniens. Ben, ça fait une belle job si t'as la bonne couleur. Ouais. Tu peux pas me prendre au sérieux, là. Bon, on se fout de ma gueule. Pourquoi on a tout le temps deux sourcils complètement différents? Ça va être ça. Je suis satisfaite. Je vais le réutiliser. Ensuite, primer de yeux. Toi, t'as pris le bronze et moi, j'ai pris le frost. Ah ouais? Bon, clairement, ça a l'air bronze, fait que ça va être ça. Ouais, non. C'est juste des paillettes. C'est juste des paillettes. Il est peut-être pas mélangé. Le bouchon, puis... Comment? C'est mieux. Oh! Hey, il est beau! Je l'aime. Il fait penser un peu à Annabelle, là. Exactement ce que j'allais dire, c'est malade! Bon, moi c'est vraiment un primer, là, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais on dirait qu'on a inversé. Ça se peut-tu que j'avais mal noté? Non. Je me souviens d'avoir pris ça parce que je voulais faire un look de brun. Du pouf, avec mes sourcils! Un petit peu collant, mais là je viens de le mettre. J'aime ça. Moi aussi, vendu le Santy Eye Primer. Ben attends, je dis vendu, je sais pas ce que ça va faire, puis ça va vraiment fonctionner, là. Prism. Cream Eyeshadow, c'est même pas un primer, dans la couleur bronze. C'est vraiment beau. I like it. Ensuite, nos ombres à paupières. J'avais encore le maudit amuse de merde. Moi j'ai le Senti USA Center Stage Miracle. Super cute. Ouf, ça schlingue. J'ai pas de couleur de transition, donc je vais mettre un peu de mon contour. Toujours important d'appuyer tellement fort sur son pinceau que tu bouges ton verre de contact en dessous. C'est ça le truc. Poudreux. Oh, I like it though. Je vais y aller au doigt. Je pensais échapper sur le bout du nez, là. C'est vraiment poudreux. Le rouge de ma face est en train de ressortir. C'est splendide. Hey, c'est beau tes yeux. Merci. C'est pas si mal. J'ai essayé les 3 des 4 couleurs. Il y a juste le petit bleu, bleu-gris que je n'ai pas essayé. C'est poudreux. Ce qu'on peut comprendre, hein, c'est 1$. 1$. Ouais. Ça fait la job, là. Pour un petit coin externe, là. Oh. Next! On avait du eyeliner. Regarde comme il est funky. Moi, j'ai un Just Color. Quand l'abréviation de ta compagnie, c'est Joke, j'ai comme pas l'impression que tu vas te prendre au sérieux, là. Et oui, je me souviens, j'avais pris le, comme le duo parce que je me disais, hey, un crayon, ça peut être utile. Ben oui, la grande. J'aime l'embout. C'est comme un pinceau, mais quasiment feutre. Tu sais, il est dur. On y va. C'est peut-être là que ça va se gâcher. Moi, je vais dans le moins de risque possible. Très noir. Il pogne dans mes paupières. La concentration est grande. Bon. Je ne suis pas impressionnée. Il sèche vraiment trop vite, j'ai l'impression. Ah oui. Puis il devient comme ta paupière tire, là, tu sais. OK. Ben moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé facile à travailler, vraiment opaque du premier coup. Mais il est pas moi qui m'est moche. Ben, je vais prendre le crayon, je vais essayer de me faire un peu de tight lining. Good job! Je pense qu'on serait dû pour le mascara. Moi, j'ai le Pro Big et toi, t'as le Amuse Or. On a les deux Amuse. Damn. Je me souviens d'avoir pris ça juste pour le tube. L'emballage. On dirait que c'est une petite erreur, là, tu sais, la machine a surchauffé puis ça a toasté. J'adore ça. Je venais de dire que je déteste les choses waterproof. Ouais. C'est waterproof. Le mien aussi. Ouh! Ça part mal, hein, quand ça fait ça. Marc. Ouh! La grosse brosse, toi, est chose. Ça sent les poils. Les pommes des poils, les ananas. Oui, ça sent les poils. Oh. Je suis tannée de moi. Je peux-tu dire ça? Regarde là. Mais oui, mais t'as-tu la misère avec tes distances? On dirait que j'ai 4 ans en tout temps. Je tiens juste à dire que moi, j'utilise le recourbeux cils tous les jours. Ouais. Et là, on n'en a pas acheté. C'est trop cher, hein? Fait que là, j'ai des petits cils drette. T'es bien cute. Pas de screenshot de nos faces concentrées. Dis pas ça, c'est sûr qu'il va en avoir. Après la vidéo de la semaine passée. Hein. Le ridicule ne tue pas. On est la preuve vivante après 3 ans. Bon, ben c'est ça qui est ça. Hein? Faut pas de miracle ici. Je pensais qu'elle allait faire plus de motons que ça. Moi, je vais devoir plus expérimenter. Puis je vais l'expérimenter sans eyeliner avant. Là. Ok, je suis satisfaite. On continue avec. Ben, je penserai aux lèvres. Ah. Ensuite, les faux cils, là, question que ça sèche.
Ok. J'imagine que c'est toi qui avais rouge. Avec un crayon. Yes! Oh, il est vraiment beau, là. Il pète vraiment. Wow. Moi, j'ai un couleur burnt qui est plutôt foncé, quasiment brun foncé. 24 heures. Comme je m'attends pas parce que mon rouge à lèvres me dure 24 heures. Il me semble que je commencerais par 12, ce serait suffisant. Ça sent la slotch. La slotch rouge du couche-tard. Ouais, vraiment. Oh, j'ai le goût de boire ça. So patchy. Ouais. J'avais oublié que j'ai du mascara au bout du nez. Ah, ben, deuxième couche, ça a comme réglé le problème. Ben, je te dirais même que 3-4. Bon, ben, moi, le crayon est plutôt rose. Hein, vraiment? Ça fait les dents jaunes, mes amis. Là, ça devient-tu mat, là? Ouais. Wonder Matte Liquid Lipstick. Dans la couleur croche. Ouh, mamacita! Il est vraiment beau. Hey, la couleur, je l'aime vraiment. T'es belle, fille. Merci, je vais prendre le compliment après toutes ces aventures, là. Comme j'aime pas mon teint, nécessairement, mais c'est vraiment moins pire que ça à quoi je m'attendais au début. Genre, tu serais pas gênée de sortir? Ben là, je me suis pas vue, c'est ça, c'est trompeur. Là. Je me suis pas vue à la caméra, peut-être qu'à la caméra, ça sent vraiment pas bien. Non, je serais pas gênée de sortir, non. Il reste l'étape fatidique des fossiles. On peut tout gâcher le drap là, là. Donc toi, tu avais choisi les Mila et moi les roses. Toi, un peu plus dramatique que moi. Pourquoi j'ai choisi ça? Tu veux-tu que je te tienne ton miroir pour voir si tu fais la même chose? Ouais. L'entraide, hein? Ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas une grosse bande épaisse. Non, tu la vois pratiquement pas. Ouais. La colle est blanche, mais elle devient translucide. Puis j'attends toujours qu'elle... Parce qu'elle passe comme par une étape. Quand elle devient translucide, qu'elle est quasiment bleue. J'attends toujours que ce soit un peu bleu tout le long pour placer mon fossile. Ça veut dire que ça va coller. Parce que si tu le fais avant... Ça, je donne des trucs. Si tu le fais avant, ça va pas coller. Puis là, tu vas t'en mettre partout. Tu vas dire, moi, les fossiles, j'haïs ça, j'en mets plus jamais. La différence. Ok. Ils sont tellement petits, là. Ils sont plus petits que tes cils naturels. Good! Ni vu ni connu, hein? C'est vraiment différent. La petite finition. Et voilà. J'ai tout gâché. Qu'est-ce que t'as fait? Oh non! Regret par-dessus regret par-dessus regret. Lâche pas une tacta. Bon. Ben non. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je pensais que ça allait être un pire fiasco. Ouais. C'est pas si mal. Il y a sérieusement quelques produits là-dedans que je réutiliserais. Ouais. Sans problème. C'est pas la grosse qualité, là. Mais par exemple, les fossiles, je trouve vraiment que ça vaut la peine. Les ombres à paupières étaient vraiment pas si mal. Le crayon, si ça a été de la couleur pour toi, moi, j'ai vraiment adoré sur moi. Ton highlight, super beau. Puis je pense que ça vaudrait la peine de refaire une commande quand nos couleurs de fond de teint qu'on voulait et de cache cerne seront en stock. Faut dire que ça arrive souvent à Shop Missy que c'est back order, là. Ouais. Faut comme tu te dépêches dès qu'ils le mettent à acheter parce que sinon ça part vraiment vite. Et le total de cette commande-là est arrivé à 53$ canadiens pour deux, pour un visage complet, ce qui est vraiment pas si mal. Ouais. Ce qu'on peut pas savoir tout de suite, c'est si ces beaux produits-là vont durer. La longévité de la chose, on peut pas le savoir. Par contre, on va porter le maquillage pour le reste de la journée. On va vous laisser ça dans la barre d'infos si vous êtes curieux de savoir si ça a été un succès à long terme. Ça conclut cette longue vidéo. On espère que vous avez apprécié. Nous, on a vraiment aimé ça, la tournée. Ça combinait plusieurs de nos choses préférées, dont magasiner du maquillage et attendre que ça arrive. Cue tous les mèmes de « J'attends la porte, je fais une commande ». Vous êtes plusieurs à nous avoir suggéré d'essayer, par exemple, le maquillage de Ardenne, le maquillage de Forever 21. Inquiétez-vous pas, c'est sur le « back burner », comme on dit. Je sais pas quand, mais ça viendra. Si vous avez d'autres endroits comme ça à nous suggérer aussi, parce que, tu sais, on n'achète pas juste des affaires à une pièce, là, nous, dans la vie, là. Ça arrive qu'on investit un peu plus qu'un UR. Ben, vous savez quoi faire, laissez-nous ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! Je suis prêt pour mon gros plan.